Samedi 13 mars 2021, une trentaine de manifestants, membres d'associations, d'ACT et Greenpeace, ont posé bagages, pancartes et banderoles pour faire entendre leur voix sur le nucléaire. ACT, depuis le début de sa création, est partie prenante dans la coordination Stop Buget. C'est au nom de cette coordination que nous menons cette action aujourd'hui. Nous faisons une action commune de 5 ronds-points à différents emplacements, dont un à Chalon-sur-Saône. Il y a 10 ans que la catastrophe nucléaire de Fukushima s'est produite, entraînant plus de 18 000 décès. Donc le but, c'est d'informer les gens et de montrer qu'on est là, mais sans non plus perturber le flux de la circulation. Des personnes qui passent, on attend de les sensibiliser, parce que plus on sera de gens à être opposés à continuer la politique nucléaire en France, bah, mieux ça vaudra. Ça rappelle les équipements qui sont utilisés en centrale. Au rond-point de l'IUT de Chalon-sur-Saône, l'association Chalonnaise pour une transition écologique dénonce le risque lié au conditionnement et au stockage des déchets radioactifs sur le site du Buget. Ce site est à 110 km de Chalon-sur-Saône. Il réclame l'arrêt des vieux réacteurs et l'arrêt de la construction des nouveaux réacteurs EPR, réacteurs pressurisés européens. La première fin, s'il y en a une, ce serait de qu'on prenne la décision de l'arrêt le plus rapidement possible de toutes ces centrales, comme a fait par exemple le gouvernement allemand qui a lancé la décision. Alors ça se fait progressivement, mais la décision est prise, la Belgique pareil, donc on attend de la France de prendre la même décision. Voitures, passants, vélos ont été interpellés par ces hommes et femmes en blanc, déambulant en souvenir et en prévention des actes meurtriers du nucléaire.